Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est encore une merveilleuse opportunité que tu nous accordes en ce jour de pouvoir écouter ton conseil. Merci Père éternel de parler à nos cœurs, de nous édifier, de nous encourager, de nous relever, de nous faire du bien. Seigneur, nous te faisons totalement confiance. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez abondamment bénis au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans Genèse. Genèse 45, nous ferons la lecture du verset 1 au verset 8. Je suis dans la version de Louis II. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. L'histoire de Joseph. Joseph des 12 tribus d'Israël. Une histoire merveilleuse que je suppose la plupart de ceux qui m'écoutent en ce moment connaissent. Ce jeune homme vendu par ses frères alors qu'il n'était qu'un adolescent, vendu par jalousie. Et le passage que nous venons de lire est le jour où Joseph s'est retrouvé face à face avec ses frères, dans un contexte de famine et de souffrance que ses frères endurait. Bien-aimés, aujourd'hui, nous nous inspirerons de ce passage de Genèse 45 autour du personnage Joseph pour faire un parallèle avec la figure de Christ. Le verset 4 nous dit « Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. » Bien-aimés, la révélation de Jésus-Christ par rapport à tous ceux qui s'approchent de lui. Quand nous nous approchons du Seigneur Jésus-Christ, il se révèle de manière extraordinaire à nous. De la même manière que Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi », Jésus-Christ dit également en Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand on s'approche de Jésus-Christ, alors il se passe ce qui s'est passé entre Joseph et ses frères. Cela veut dire quoi ? La première des choses, quand on s'approche de Christ, il se révèle à nous, tout comme Joseph s'est révélé à ses frères. Relisons le verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Bien-aimé, il est dit dans ce verset, il dit, « Quand on vient au Seigneur, le Seigneur se révèle au travers de sa parole. Il se révèle à nous par sa parole. » De telle manière que Joseph dit, « Je suis Joseph. » Le Christ dit également en Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. » Ou encore en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, vérité, vie. » Ou encore en Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière. » Ou encore en Jean 15, verset 5, « Je suis le cep. » »« Je suis le bon berger. » Jean 10, verset 14, « Je suis le pain. » »« Je suis la résurrection et la vie. » Jean 11, verset 25. Bien-aimés, quand on s'approche de Christ, le Christ se révèle à nous. Et Joseph dit, « Je suis votre frère que vous avez vendu. » Joseph, face à ceux qui lui avaient tourné le dos par méchanceté, par haine, ceux qui l'avaient trahi, rejeté, détesté, vendu, abandonné, coupé de l'amour paternel de Jacob,
ceux qui avaient même comploté pour le faire périr. Si ça n'avait pas été l'intervention de Ruben, l'un de ses frères, Joseph aurait été tué face à ceux qui lui avaient cruellement fait du mal. Bien-aimés, nous lisons dans ce passage que Joseph se sentait encore comme frère de ses frères. Rappelons en Jean chapitre 1, verset 11, il est dit que Jésus-Christ est venu parmi les siens et les siens ne l'ont point reçu. Par contre, dans le verset 12 de Jean 1, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et donc les frères de Jésus-Christ, donc à tous ceux qui s'approchent de lui, qui l'acceptent, le Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, nous tous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, nous le sommes par grâce, car nous étions tous pécheurs. Mais en s'approchant de Jésus-Christ, en l'acceptant comme notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur, il nous a réconciliés, pardonnés, lavés, purifiés, sauvés. Lui, en tant que unique et seul médiateur, il nous a rachetés et nous avons été acquis au grand prix précieux de son sang versé afin que nous puissions de nouveau avoir communion avec Dieu. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Bien-aimé, à cause du péché de ses frères, du mal qu'ils lui ont fait, Joseph s'est retrouvé en Égypte, tout comme à cause de nos péchés, de nos iniquités, de nos abominations, le Christ s'est retrouvé dans le monde. Il s'est retrouvé sur terre. Nous assimilons dans le jargon spirituel l'Égypte au monde. Et il est venu accueillir tous ceux qui viennent à lui. Bien-aimés, notons également quelque chose d'important dans l'attitude de Joseph quand il a vu ses frères. Joseph ne pouvait plus se contenir, nous a dit le verset 1, devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant, sans aucune haine, aucune rancœur, aucune colère, aucune soif de vengeance, mais le pardon, l'amour, parce qu'en réalité, Joseph leur avait déjà pardonné tout le mal commis. Je rappelle que Joseph en Égypte n'était pas n'importe qui, mais était l'intendant de Pharaon. Il avait un poste très influent et entre ses mains, il avait fait prospérer le pays. La question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi Joseph, durant toutes ces années, n'avait jamais cherché à repartir sur sa terre natale? Pourquoi n'avoir jamais organisé un voyage avec des chars, des caravanes et repartir dans ses terres pour voir son père, Jacob et ses frères et autres? Ça aurait été vraiment beau. Mais non, nous voyons ici que les voies de Dieu, les pensées de Dieu sont différentes et inhabituelles par rapport aux valeurs humaines. C'était à Jacob, c'était au père de famille, c'était à sa famille, à ses frères, de retourner, d'aller vers lui et non le contraire. Sachant que c'est de la même manière que Jésus-Christ étant venu sur terre, ayant affronté le calvaire, l'humiliation, l'incarcération, les tabacs, les injures, la mort, bien aimé, c'est à nous d'aller à lui. Le Christ ne court après personne. Cependant, c'est avec amour qu'il accueille tous les pécheurs sans exception qui s'approchent de lui. Le Christ se révèle efficacement à celui ou à celle qui s'approche de lui pour présenter quel est le plan de Dieu pour sa propre vie, quel est le plan du salut, la rédemption. Notons bien aimé que Dieu dans son omniscience, avant même que le pécheur ne pêche, Dieu le sachant déjà, avait déjà prévu le plan de salut. Et c'est ce que nous dit 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 21. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Dieu avait déjà préparé notre salut bien-aimé.
car Dieu n'arrive jamais en retard et rien ne peut le surprendre. Bien au contraire, il a toujours une longueur d'avance. Le verset 5 de ce passage d'introduction de Genèse 45 dit ceci. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Bien-aimés, notons ce que Joseph dit à ses frères. « C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour nous sauver que Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. » Bien-aimé, dans cette phrase, nous voyons là que Joseph reconnaissait que toute chose était entre les mains de Dieu, que c'est Dieu qui est le souverain et qui a le dernier mot sur toute situation que nous pouvons endurer. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre par hasard, mourir comme ça, au hasard, comme un simple martyr. Mais derrière la venue et la mort de Christ, Dieu avait un plan précis, préétabli. Il devait donner, payer de sa vie pour la rédemption, le salut, tout comme Joseph devait endurer la prison, les accusations, les maltraitances et autres pour être un jour élevé au poste d'intendant de Pharaon à la direction du pays. Bien-aimé, sache que derrière tout ce qui peut arriver, à nous qui appartenons réellement à l'Éternel, qui avons cru et accepté Christ comme notre Maître, Seigneur et Sauveur, sachant que Dieu a un plan préétabli et tout est sous son contrôle. Dieu dit qu'il a formé des projets de paix et non de malheur pour nous assurer un avenir et de l'espérance. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Et dans son amour pour nous, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Voilà pourquoi, malgré les injustices et tout ce qui se trame autour d'un enfant de Dieu, tous les déchaînements, comme ce fut le cas pour la vie de Joseph, qui sont arrivés, bien-aimé, garde ton calme, accroche-toi. En cette fin d'année 2023, je ne sais quels sont tes challenges, mais je peux te dire avec assurance que si tu appartiens à Dieu de manière authentique et vraie, sache que Dieu fera concourir toutes choses pour ton bien. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver, pardonner toutes nos iniquités. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Bien-aimé, Dieu a envoyé le Christ avant nous, car il anticipe toujours. Il avait déjà prévu Christ, le salut, avant même que nous ne soyons, avant même que nous ne péchions, pour nous conserver en vie, pour nous guérir, pour nous relever, nous fortifier et autres. Joseph, dans tout le processus de souffrance, était comme ça en train de suivre en réalité un plan que Dieu avait établi pour sa vie et pour conserver en vie sa famille, épargner de la mort sa famille pour sauver la maison de Jacob. Bien-aimé, j'aimerais récapituler les points que je viens d'énumérer. Quand on s'approche du Seigneur, premièrement, il se révèle et il se révèle au travers de sa parole. Deuxièmement, il nous présente quel est le plan du salut. Troisièmement, il œuvre. Dieu œuvre en faveur de tous ceux qui s'approchent de lui sans aucune distinction. Quand on vient au Seigneur, là où on était limité, là où on ne pouvait y arriver, Dieu, par sa grâce, nous y fait parvenir. Là où on ne pouvait surmonter, accomplir certaines choses, Dieu, par sa main toute puissante, devient notre capacité et nous soutient. Et nous pouvons tous, par Christ qui nous fortifie. Voilà la réalité de l'amour de Dieu lorsque nous nous approchons de lui. Il devient notre force, notre capacité. Et tout ce que nous avons, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous, comme nous nous sommes confiés en lui. Relisons le verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avait envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Il redit encore, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister, vous faire vivre, vous conserver en vie.
vous préserver pour vous faire vivre une grande, même pas une délivrance, mais une grande délivrance. Dans Jean chapitre 10, verset 28, il est dit « Je leur donne la vie éternelle. » C'est le Christ qui parle. « Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Entre les mains du Seigneur, nous sommes en sécurité. Car il nous protège de l'adversité. Il nous fortifie durant les moments d'épreuve. Bien-aimés, en cette fin d'année 2023, j'aimerais que ce message réconforte ton cœur, produise en toi encore une croyance ferme. N'abandonne pas. Tu es enfant de Dieu et sache que Dieu, avant même que tu ne sois dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, le sachant déjà bien à l'avance, avait déjà préparé le moyen pour toi d'en sortir. Voilà pourquoi au travers de sa parole, il te fortifie. Simplement, laisse-toi conduire par lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.